Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir à cette visioconférence sur la dissémination nationale du programme USAID MyFamilyAct. Bienvenue à tous. Honorable guests, if you would like to follow in English, please read the chat and note that all the videos are subtitled in English. Votre présence nous est précieuse. Nous vous en remercions vivement. Au préalable, nous vous informons que toute la conférence sera enregistrée. Si l'intervention est en anglais, la traduction en français est sur le chat. Comme directive, au fur et à mesure des présentations ou lors des séquences de vidéos, vous pouvez déjà poser des questions, soit dans la boîte questions-réponses pour ceux qui sont sur Zoom, soit dans les commentaires pour ceux qui suivent sur la page Facebook de MyFamilyAct. Les questions seront répondues lors de chaque séance questions-réponses correspondante. À l'endroit des panélistes, vous êtes priés de ne pas répondre aux questions jusqu'à ce que nous arrivions aux séances de questions-réponses et de ne pas mettre directement vos réponses dans la boîte questions-réponses. Autre point d'ordre technique. Pendant toutes les présentations et vidéos, les participants sont priés de garder leur micro et caméra éteints. Nous aurons le plaisir d'écouter, tout au long de cette visioconférence, les intervenants suivants. Monsieur le ministre de la Santé publique, Madame le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Madame le ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, le directeur général de la Population, le président de GSI, le directeur général de la mission USAID, le directeur du Bureau Santé, Population, Nutrition de l'USAID, le directeur des soins de santé de base, le directeur de la santé familiale, le directeur de MyFamilyAct et son directeur adjoint. Comme c'est un événement officiel, je passe maintenant la parole à la direction de la communication du ministère de la Santé publique, en la personne de Dr. Lantou, assistante technique. Merci beaucoup, Dr. Nive. Excellences, mesdames et messieurs, comme il s'agit d'un événement officiel d'envergure nationale, nous allons entonner l'hymne national malagasy. Excellences, mesdames et messieurs, une série de discours officiels va inaugurer cette conférence portant sur la dissémination nationale du programme MyFamilyAct. Nous aurons successivement comme intervenants
Madame le directeur du programme de l'USAID, Maïfam Yarak, Monsieur le directeur général de l'USAID et Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique. Nous vous rappelons que les participants qui voudront suivre les discours en anglais pourront le faire dans le chat à chaque intervention. Pour commencer, j'ai l'honneur d'inviter en premier Madame le directeur du programme de l'USAID, Maïfam Yarak, Dr. Yvette Ribera, à prendre la parole. Merci, Madame la modératrice. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique. Excellence, Madame la ministre de l'Eau, Assainissement et Hygiène. Excellence, Madame la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme. Monsieur le directeur général de l'Agence des États-Unis pour le Développement International, USAID Madagascar. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux des ministères partenaires respectifs, Madame le directeur du Bureau Santé, Population et Nutrition à l'USAID, Monsieur Léoard de Maïfam Yarak, distingués invités en vos rangs et fonctions respectifs, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de m'exprimer en ce jour pour marquer notre gratitude à l'endroit de chacun de vous d'avoir honoré cette conférence de votre présence, qui, vu les circonstances sanitaires qui prévalent, va se dérouler en virtuel. À ce jour, le programme USAID Community Capacity for Health, plus connu sous l'appellation Maïfam Yarak, entame sa phase de clôture définitive après 5 ans d'appui aux 34 districts des régions Analandzourouf, Boueni, Diana, Melaky, Menabe, Sava et Sofia. Durant ces années, des liens professionnels se sont tissés et des partenaires stratégiques se sont affermis avec les différents départements ministériels, les autorités régionales et locales et acteurs communautaires. Cela nous emmène aujourd'hui à partager ensemble les fruits de nos collaborations en vue d'améliorer et de renforcer la santé reproductive, maternelle et infantile et des adolescents, ainsi que la lutte contre le paludisme au niveau communautaire dans les régions desservies. Le programme a également œuvré à faire progresser l'approche intégrée santé-population-environnement, ainsi que la lutte contre le mariage d'enfants. Nous ne pouvons que remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de nos engagements et à faire des résultats obtenus des succès collectifs et communs. Puissiez-vous trouver à travers les diverses interventions et présentations concoctées des valeurs ajoutées à nos contributions, des réponses à vos attentes et d'inspiration pour la continuité et la pérennisation de vos interventions. Nous vous souhaitons de passer une agréable et instructive conférence. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous remercions vivement Madame le directeur du programme Maïfam Yarak pour son discours. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur le directeur général de l'USAID, John Dunlop, à prononcer son discours. Bon, merci beaucoup et j'espère que vous allez m'excuser que je vais faire le discours en anglais aujourd'hui, juste pour essayer de mélanger un peu l'anglais et le français. Excellency, the Minister of Public Health, Excellency, the Minister of Water, Sanitation and Hygiene, Excellency, the Minister of Population, Social Protection and Promotion of Women, distinguished guests, partners, ladies and gentlemen. It's my genuine pleasure and honor to be with you today to celebrate the achievements of the USAID Community Capacity for Health Program, Maïfam Yarak. The U.S. government, through USAID, provided $31 million in funding over the past 5 years to support Maïfam Yarak's work in strengthening the planning, delivery, and management of community health services for the Malagasy people. This work was done with a special focus on improving family planning, reducing the practice of open defecation, preventing child marriage, and delivering health and nutrition services for pregnant women, new mothers, and young children. I want to acknowledge all of those
who worked with us in this partnership, and thank you for your dedication and cooperation. The successes achieved by Mahefa Mayuraka were a collaborative effort between USAID, Madagascar's Ministries of Public Health, Water, Sanitation, and Hygiene, and Population, Social Protection, and Promotion of Women, and the JSI Research and Training Institute. Along with all of our other partners, we are grateful to the ministries for their leadership. We are deeply indebted to the men, women, and youth from our local partner communities who came forward and devoted themselves to making a difference for their families, friends, and neighbors. I especially want to acknowledge the over 10,000 community health volunteers, the women's associations, and youth groups that worked alongside us for their commitment and actions. The partnership under Mahefa Mayuraka program is an excellent example of how the United States and Madagascar are like Mpiralai Mianala, as we work together to improve and expand access to community health services. In the webinar ahead, we will deep dive into the results achieved by Mahefa Mayuraka. We have a lot to be proud of, and I'd like to briefly highlight a few of the key achievements. In 2017, Mahefa Mayuraka helped the government update the national community health policy. This led to the adoption of new health policy guidelines, including universal health coverage and a national strategic plan for strengthening community health for the period 2019 to 2030. It's a huge accomplishment. Then, in accordance with the national strategic plan, Mahefa Mayuraka supported the establishment of 5,205 community health coordination and development committees. We also equipped and trained 10,000 community health volunteers. Moreover, we screened over 1 million children under the age of 5 for malnutrition, and more than 13,000 of them were referred to health centers for life-saving treatment. Another 377,000 children under 5 were treated for malaria. There are many more remarkable results that will be shared, but I must stress that these are vital policy and real-world achievements. They are the backbone of a revitalized community healthcare system. After 5 years, the Mahefa Mayuraka program is closing, but the legacy of this project will continue. Many of the activities run under Mahefa Mayuraka have already been shifted to our USAID Access Health Program, and the commitment of the US government to strengthen Madagascar's community and public health systems does not waver. We will continue to work with the government of Madagascar for the sustainable development of the country. Thank you to the organizers of this conference. I hope that the shared results, approaches, and best practices will inspire future interventions. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for your attention. Nous remercions vivement Monsieur le Directeur Général de l'USAID pour son intervention. Pour achever cette série de discours, j'ai l'honneur d'inviter Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique, le professeur Raquetfort Anchar Jean-Louis, à prendre la prochaine parole. Honorable assistance, mesdames et messieurs, bonjour. En premier lieu, permettez-moi de remercier le Tout-Puissant de nous avoir préservés en ces temps d'urgence sanitaire, afin que nous puissions encore accomplir nos obligations et nos responsabilités quotidiennes respectives. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette visioconférence de dissémination nationale des résultats des interventions du programme Community Capacity for Health, que nous connaissons bien sous la dénomination locale Mahefa Mayuraka, financé par l'USAID. Nous voudrions encore, une fois en ce jour, marquer le partenariat fructueux entre le gouvernement des États-Unis et le gouvernement malgache dans le domaine de la santé publique. En effet, le gouvernement américain a appuyé sur le plan financier et technique à travers l'Agence américaine pour le développement international,
USAID, Madagascar d'une façon constante et sans faille. Ainsi, quelques 1 500 000 familles malagasques dans les régions d'appui comme Analandzourouf, Bouin, Diana, Melek, Menabe, Sava et Sofia, soit à peu près le quart de la population totale, ont pu bénéficier des services de santé de base de proximité à travers 10 000 agents communautaires. Maintenant, nous ne pouvons que saluer l'USAID d'avoir permis à GSI d'effectuer cette mission qu'il a accomplie avec brio, et nous pouvons nous féliciter de cette collaboration très réussie. En effet, l'accompagnement de GSA, que ce soit dans Maïf, dans la période 2011 à 2016, et par la suite Maïf Amiarak entre 2016 et 2021, a particulièrement concouru à la réalisation des actions en faveur de la réduction de la mortalité des mères, des nouveau-nés, des enfants, et en plus, la couverture en santé universelle telle que préconisée et tracée dans la politique nationale de santé communautaire et les soins de santé primaire. Nous pouvons actuellement constater la contribution effective des agents communautaires dans l'amélioration de la santé des enfants de moins de 5 ans, l'accès des jeunes et des femmes à la planification familiale, la couverture en services de proximité, l'engagement des communautés à prendre en main leur santé et à participer dans le financement de la santé, pour ne citer que cela. Je vous invite ainsi à nous joindre pour le partage des résultats et des bonnes pratiques avec le concours de Maïf Amiarak, objet de la présente dissémination nationale. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier GSI pour ces 10 années d'appui technique et je souhaite une excellente suite de carrière à tous les staffs de Maïf Amiarak. Nous souhaitons également vivement la continuation de notre collaboration et qu'elle soit toujours aussi fructueuse pour les années à venir. Ensemble, nous allons continuer à œuvrer pour la santé et pour le bien-être de la population malagasse. Pour terminer mon allocution, mesdames et messieurs, je déclare officiellement aujourd'hui la clôture du programme Maïf Amiarak. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Remercions Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé publique pour son discours. Excellences, Mesdames et Messieurs, durant les 5 années de son existence, le programme Maïf Amiarak a connu aussi des moments difficiles et douloureux, car des collègues, partenaires et acteurs communautaires dans les régions appuyées et au niveau central nous ont quittés pour un monde meilleur. Aussi, en leur mémoire, nous allons consacrer les 2 prochaines minutes à leur rendre hommage. Thank you.
Chers participants, nous allons entamer la première partie de notre conférence. Pour commencer, il importe d'abord d'avoir un aperçu du programme Maïfam Yarak. Aussi, la vidéo qui va suivre nous trace en quelques minutes le résumé de ce programme. L'USAID Community Capacity for Health, dénommé localement MyFam Yarak, est un programme de santé intégré à base communautaire d'une durée de 5 ans, de juin 2016 à septembre 2021. Le programme est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Santé publique, l'Agence des États-Unis pour le développement international qui finance le programme et GSI Research and Training Institute. Depuis son démarrage, Maïfam Yarak a apporté son appui technique au ministère de la Santé publique pour mettre en œuvre la politique nationale de santé communautaire réactualisée. Conformément au plan stratégique national, Maïfam Yarak a soutenu la création de 5205 comités de coordination, la formation des membres des comités aux interventions de santé communautaire et aux approches de changement de comportement afin de fournir des services de santé essentiels et appuyer la riposte aux pandémies dans les communautés telles que la peste, la rougeole et la COVID-19. Maïfam Yarak, en collaboration avec le ministère de l'Eau, Assainissement et Hygiène, a contribué à la concrétisation de Madagascar Madiou dans la lutte contre la défécation à l'air libre, essentiellement en milieu rural. Maïfam Yarak opère dans 34 districts de cette région, Analandirouf, Bouin, Diana, Melek, Menabe, Sava et Sofia, couvrant environ 6 600 000 habitants, soit 28% de la population malagasy. Maïfam Yarak a renforcé les capacités de près de 10 000 agents communautaires sur la prise en charge intégrée des maladies des enfants de moins de 5 ans et la planification familiale à travers des formations annuelles intégrées et de remise à niveau par les CSB. Le programme travaille avec les comités de coordination de la santé communautaire pour mobiliser les communautés à construire et équiper des tubes AC et établir des réseaux de transport d'urgence. Maïfam Yarak a soutenu les activités de sensibilisation menées par les AC, comme le dialogue communautaire, les visites à domicile et les groupes d'écoute, et a promu des approches novatrices telles que famille modèle et parrains, afin de promouvoir les pratiques familiales essentielles clés qui garantissent une meilleure santé. Les interventions de Maïfam Yarak ont permis aux AC de contribuer directement à plus de la moitié des services de soins aux enfants et mères et de planification familiale, ou indirectement, par le biais de références communautaires, à améliorer les indicateurs de santé dans les 7 régions d'intervention. Par ailleurs, les activités intégrées Santé Population Environnement ou SPE, financées par l'USAID à travers le projet Advancing Partners and Communities, ont été mises en œuvre par GSI par le biais de Maïfam Yarak de 2018 à 2019. Des activités intégrées SPE sous Maïfam Yarak ont été réalisées avec le groupe technique interministériel et le réseau SPE qui regroupe plus de 40 organisations œuvrant dans la conservation de l'environnement et la santé. Cette approche intégrée a favorisé l'adhésion communautaire et a permis de relever simultanément les défis de développement et de changement de comportement pour favoriser la santé dans les communautés riches en biodiversité. En outre, le programme en collaboration avec le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme soutient les interventions communautaires pour la réduction des mariages d'enfants. L'USAID a financé le projet « Réduire le mariage d'enfants et les morbidités et mortalités liées chez les filles mariées à haut risque » dans 6 districts des régions Diana, Menabe et Sofia pour une durée d'un an, de 2019 à 2020. L'objectif étant d'accroître la capacité locale à intensifier les efforts existants et nouveaux au niveau communautaire et politique, afin de réduire le mariage d'enfants, les grossesses précoces et non désirées et les taux de natalité,
en particulier les secondes naissances chez les épouses adolescentes, tout en augmentant l'utilisation volontaire de la planification familiale et la sensibilisation aux effets négatifs du mariage précoce. La collaboration fructueuse de MaEFAMIARAC avec le ministère de la Santé publique et les communautés a permis de renforcer la capacité des agents communautaires à fournir des services de santé de proximité de qualité pour les femmes, les jeunes et les enfants, à mener des activités de surveillance des maladies et de réponse aux épidémies dans des communautés éloignées qui font d'eux un des éléments clés du système national de santé à Madagascar. Maintenant, abordons les points saillants de la contribution du projet à la santé communautaire, notamment sur le plan politique et stratégique. Pour ce faire, nous invitons en premier Monsieur le directeur des soins de santé de base, Dr José Clément Randianarsou, à prendre la parole. Monsieur le directeur. En réponse aux engagements de l'État malgache dans l'atteinte des objectifs de développement durable, le ministère de la Santé publique, à travers ma direction, a réactualisé en 2017 la politique nationale de la santé communautaire. MaEFAMIARAC a contribué au processus. Il a aligné son appui par rapport à cette politique dans cette région pour l'intégration de l'institutionnalisation de la santé communautaire au système de santé. Ainsi, avec le concours de MaEFAMIARAC, le ministère a mis en place une structure de coordination et d'opérationnalisation de la santé communautaire conformément à cette politique. Les 7 régions et les 34 districts ont actuellement chacun leur comité de coordination des activités communautaires et les 456 communes, leur commission communale de développement de santé, et environ 10 000 agents communautaires sont fonctionnels dans 4708 Fouktang. La réactualisation de la politique nationale de la santé communautaire en 2017 découlée de l'adoption de nouvelles orientations politiques du secteur santé telles que la couverture santé universelle. Et MaEFAMIARAC faisait partie du comité d'élaboration. Par la suite, le ministère s'est attelé à opérationnaliser la politique, d'où l'élaboration du plan stratégique national de renforcement de la santé communautaire pour la période 2019-2030, puis du guide de paquet d'activités communautaires auquel MaEFAMIARAC a toujours participé activement. Parmi les principes directeurs de la politique nationale de la santé communautaire figure la participation communautaire. MaEFAMIARAC a particulièrement investi dans l'engagement de la communauté pour la santé. En fin mars 2021, 88% des Fouktang au nombre de 4125 ont construit par leurs propres ressources leur site communautaire pour les agents communautaires. Et 97% des agents communautaires de l'ordre de 9377 ont été formés et équipés. Et 92% d'entre eux ont été certifiés par le CSP pour prodiguer un paquet d'activités promotionnelles, préventives, curatives et de surveillance pour les mères et les enfants et des interventions à haut impact en faveur de la réduction des décès évitables des mères, des nouveau-nés et des enfants. En outre, le programme a introduit une approche innovante pour la communauté de constituer des mutuelles et des caisses santé adaptées à leurs besoins. Et 97% des Fouktang ont établi leur plan d'évacuation sanitaire. Pour conclure, le ministère de la Santé publique ne peut que se féliciter du succès de cette collaboration avec le programme USAID MaEFAMIARAC, l'un de nos partenaires clés pour faire progresser la santé communautaire à Madagascar.
Nous souhaitons vivement que tous les intervenants dans la santé communautaire s'engagent à consolider les acquis, à capitaliser et à renforcer les bonnes pratiques, ainsi que les approches ayant fait leurs preuves, tout en progressant vers l'excellence. Un grand merci à l'USAID Maïfamiarak. Nous remercions vivement M. le directeur des soins de santé de base pour nous avoir exposé brièvement quelques aspects du soutien de Maïfamiarak dans l'engagement de l'État dans la politique nationale de santé communautaire. Nous avons maintenant l'honneur d'inviter le second intervenant en la personne de Madame le directeur de la santé familiale, Dr. Sylvie Nourmalala Titaï, pour son intervention. Madame le directeur. La planification familiale a été un programme du ministère de la Santé publique depuis des décennies. Et en 2015, l'État malgache a souscrit pour l'accès universel de la planification familiale, ou PF, conformément à l'engagement au FP2020 ou la planification familiale en 2020. Il s'agit notamment, à l'horizon de l'année 2020, d'augmenter la prévalence contraceptive de 33 à 50% et de réduire de moitié les besoins non satisfaits en planification familiale de 18 à 9%. Un projet de loi relatif à la PF a été élaboré pour ce faire, mettant entre autres l'accent sur un meilleur accès aux services pour les jeunes et les distributions à base communautaire. La promulgation de la loi SRPF a été un assez long processus inclusive, initiée par le ministère de la Santé publique. Pour ce faire, nous avons mis en place un comité d'élaboration du projet de loi, dont l'USAID Maïfamiarak a été un membre permanent et très actif durant toutes les étapes de consultation des institutions compétentes, d'élaboration du projet de loi, de la validation technique jusqu'à la soumission pour l'adoption à l'Assemblée nationale et au Sénat. Après sa promulgation en janvier 2018, le décret d'application a été établi la même année, et puis il y a eu un autre décret de modification complété l'année suivante. Et en préparation à la vulgarisation de cette loi SRPF, le ministère a procédé au sein du comité national PF, où encore une fois, l'USAID Maïfamiarak a siégé à la traduction en version malgache, puis plus accessible à la communauté de la loi SRPF et de ses décrets d'application. Et en parallèle, le programme Maïfamiarak a aussi été très actif dans la mise à jour de la politique de la santé des adolescents et des jeunes et du plan stratégique national ILIE. L'USAID Maïfamiarak a été le premier partenaire du ministère de la Santé publique à vulgariser cette loi et ses décrets d'application au niveau des partenaires communautaires dans les structures de coordination et d'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire dans les régions, les districts et les communes, même les fouctins qu'ils ont appuyés. Les cibles de cette vulgarisation de la loi ont également inclus le milieu scolaire, les associations des jeunes, ce qui a contribué vraiment à l'amélioration de leurs prestations, de création de la demande et d'offres de services en santé de reproduction et en planification familiale. Et aussi l'adoption libre de la PF par la communauté, surtout les jeunes et les adolescents. Concernant les résultats et impacts de la mise en application de la loi SRPF dans les régions
appuyé par MyFamIARC, on a vraiment constaté des résultats significatifs. Les données en fin mars 2021 ont montré que les AC ont contribué à plus de la moitié de la couverture d'utilisation de l'APF, plus précisément environ dans les 468 128 sur les 880 016. Les jeunes aussi constituent les 65% de l'ensemble des utilisatrices régulières de ces agents communautaires, soit une augmentation de 8 points par rapport à l'année 2017. Pour terminer, la direction de la santé familiale voudrait vraiment exprimer ici notre profonde reconnaissance à l'endroit de l'USAID et du peuple américain à travers MyFamIARC pour tous ces efforts déployés pour soutenir vraiment le ministère de la Santé publique dans le renforcement des services à base communautaire durant ces années au bénéfice de la santé, du bien-être des familles malgaches et en particulier dans les zones très éloignées, enclavées. Les interventions et les expertises de MyFamIARC nous ont été plus qu'exemplaires et nous exhortons ici les autres partenaires à continuer à renforcer leurs appuis aux agents communautaires, surtout afin que toute fille, toute femme et tout couple malgache puisse effectivement accéder librement aux services de santé de la reproduction, de la planification familiale. Et chers amis du programme MyFamIARC de l'USAID, merci du fond du cœur. Nous remercions chaleureusement Madame le directeur de la santé familiale pour son intervention, soulignant l'engagement de l'État malgache en matière de planification familiale, où MyFamIARC a été toujours à ses côtés. Nous complétons maintenant cette première partie par la visualisation de quelques vidéo-reportages fort intéressants. Taloha teto aminay fokontany Tsaramandroso dia narivo tena narivo zany ny fahasalaman'ny ankizy ireny bivoka satria zany dokotera marine avao agnalevo reo CSB2 rehefa nipetraka MyFamIARC ny asana agent communautaire nandray an-tanana fahasalamana eny fotony zany hoe mametraka name formation des agents communautaires de manara-maso ny asa sy ny activité rehetrarehetra zay ataony agent communautaire eny amin'ny fiarahamonina na tonga anao ase a dia nofidiny fokon'olona nanomboka tamin'ny 2006 zaho nanao ase afaka naproborobo ny fahasalamana teto anivon'ny fokontany a rehefa nahazo ny formation nomeny CSP zay nitoanany MyFamIARC indrindraindrindra teo amin'ny fandraisana vehivavy bevoka andeha hisafo any amin'ny hôpitaly dia ny vehivavy hanao fisa dia ao anatin'izay koa fahasalaman'ireny sy ny zaza dia ny tanora ankoatra ny fandraisana azy ireo ato amin'ny toby a dia midina i fotony izay manao VAD azy ireo vo marary zany zazakely a dia mandeha mamonjy ny agent communautaire aloha raha ohatra ka tsy vitany mpanentanara-pahasalamana moa zany la fandraisana tanàna an'la zaza dia izy mireféré mankeny amin'ny CSB ny mpanentanara-pahasalamana ozy zany dia ohatrany hoe masoivony CSP eny anivon'ny fokontany ka le izy lavitra zay a dia zareo nefa nomena fiofanana handray an-tanana n'ilay zaza latsaka ny 5 taona be dia be ny vokatsoa azo avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipan'ny distrika sy ny MyFamIARC
anisan'izany ny fiakaran'ny tany vehivavy manantona ny tompom-pahasalamana hanao ny fandrindrana fiterahana. Ireny bevoka tonga misafotra izy izay voatsabo amin'ny tazomoka sy ny pneumonia ary ny fivalanana. Ny ankizy latsaky ny 5 taona izay voara-maso ny lanjany. Vilombolo izany ray aman-dreny aminay ato satria tsy mararirary ny zaza. Iase zao amin'ny fisiany eto tena sambatra izahay satria amin'ny fitondrana an'ireto zazareto marary sady manetsiketsika anay koa amin'ny fitondrana ny ankizy handeha sy mandeha manao vaksiny any amin'ny hôpitaly. Izay zavatra niarana tamin'ny mahefa miaraka izay a dia eritreretina io tohizana le izy mba tsy ho very ireo zavatra rehetrarehetra izay soa efa azo tamin'ny mahefa miaraka izay. Mahateza ny renibe anay izany dia lasa mitsabo amin'ny fanafody gasy. Dia na ny mpiray tanàna aminay na ny fiarahamonina eo izany dia efa izay aby tsy mba mandeha hôpitaly, tsy manao izao vaksiny izao. Zahay ase eto roa avao nefa tanaty bevata. Tsy araka ny ase izany ilay fanentanana. Noho ny antony amin'ireo indrindra no nahatonga ny mahefa miaraka namorona ny fampandraisana andraikitra amin'ny fiarahamonina amin'ny fahasalamana. Misy sokajy efatra izany io fampandraisana andraikitra amin'ny fiarahamonina io. Sokajy voalohany vehivavy bevoka hatramin'ny teraka. Faharoa voateraka izy jusqu' amin'ny 100 volana. Fahatelo 200 volana jusqu' avy amin'ny 300 volana. Fahaefatra 400 volana hatramin'ny 550 volana. Misy hetsika fototra 7 isaky ny sokajy 4 ireo. Taorian'ny fiofanana meny mahefa miaraka anay dia lasa izahay nanao fanentanana VAD isan-tokantrano. Nanentana anio hetsika fototra 7 izahay arakaraka ny sokajy misy ao amin'ny tokantrano vangina io. Dia avy izany ireo dia nanentana hoe vehivabevoka mila mandeha hôpitaly misafo. Resy lahatra aho dia naraiko antsaka ny sian-davany satria tsy te hiaina amin'ilay zavatra niainako taloha. Rehefa nanaiky izany ilay tokantrano nivanginay dia apetakinay egny ilay fisy fanaraha-maso. Ka rehefa tanteraka n'io hetsika fototra 7 dia manome maro-pakasitrahana azy izahay. Izaho izao amin'izao lasa tokantrano môdely aho izao dia mampianatra ny vehivavy-bevoka mitovy tamiko. Dia eto koa izany aho dia afaka manohy ilay sokajy manaraka eo amin'ny zaza voateraka ka hatramin'ny 100 volana. Io tokantrano vaovao ny an-tanin'io tokantrano môdely io rehefa lasa môdely ny tokantrano vaovao dia lasa tokantrano mpiahy ilay môdely teo aloha. Tsapanay ase fa mihena ny asanay amin'ny resaka VAD kanefa ny vokatra mihatsara satria ny fiarahamonina mihitsy no mandray an-tanana an'ilay fahasalamana. Nahazo vokatsoa bevata amin'ilay zavatra nampianarin'ireo mpanentana ara-pahasalamana anay izany dia izay izany mba izarako an'izay eto amin'ny mpiara-manodidina amiko mba hanao an'izay koa izany ilay mpiara-monina amiko eto. Dia ilay mpiara-monina koa izany mba hizara amin'ilay hafa koa izany farany izany eto amin'ny mpiara-monina anay dia samby hanana ilay tombontsoa iaby izany izaho eto amin'ity toerana misy anay ity. Thank you.
faritra rehetra era Madagasikara dia faritra mena amin'ny resaka valanaretina no resahana. Eny anivo fiarahamonina moa ny ministeran'ny fahasalamana dia nametraka anareo ampanentana ara-pahasalamana izay miserasera anivo fiarahamonina ao anatin'ny fanaovana ny tatitra raha sanatria misy ireo tranga naretina zany izay mitranga anivo fiarahamonina. Ao anatin'izay ihany koa ny torolalana na fitarihana ireo marary anatina ny tompahasalamana ary tsy adino moa zany ny fanentanana ngezabe izay tena andraikitry ny ase manaraka ny torolalana izay omeniny chef CSP moa izy amin'izay. Ny andraikitry ny seho fokontany izay miara-piasakaiky amin'izy ireny dia mia anyireny ase ireny eny anivon'ny fokontany tsirairay avy ary miara-piasakaiky zany izy amin'ny ase sy ny kosana eny anivon'ny commune. Avaradofa io dia maro be ny mpanerasera io dia rehefa natao amin'izay zany fijerevana azy dia ilay zaza avy any andranopasy izay no nahitana an'ilay aretina dia io amin'izay zany no nitarika ilay fiparitahany aretina teo amin'ny tanànany Avaradofa teo. Andraikitrinay zany izahay mpanentana ara-pahasalamana teo amin'ny ady amin'ny fitrolotro nanentana an'izay olona manajanaka tsatriny aretina io dia nandefa n'ilay zaza tsatrany solotra aretina koa nandeha amin'ny CVDE dia mitady an'ireny tsy mbola vita vaksiny dia ao koa izahay miara-miasa amin'ny CVDE amin'ilay fanatanterahana an'ilay vaksiny tokoa. Noho ny mpanentana nanentana anay dia isaorananjo aloha tsy kivitry ketsaka ireo noho ny fagnampiandreo anay fa ny zanakinay teto na dia ny maro ny zazany voany tsy mba nisy ny maty. Na teto anivon'ny faritra izany teto anivon'ny distrika dia nisy hatrany ny fiara miasa nentina ny ady tao anatin'ity valanaretina COVID-19 ity. Tena nandray anjara mavitrika tao anatin'izany ady izany ny programma efa miaraka. Ny vokatra azo izany amin'ny fanentanana nataonay amin'ity coronavirus ity izany dia betsaka ny olona no namonjy ny tombon'ny ase ary betsaka koa no nalefanay nankeny amin'ny tompom-pahasalamana CSB ary ny hena ny tahan'ny olona nanao dokotera tenany fa samy namonjy tompom-pahasalamana avokoa. Ny tombon'ny tokantrano nanaja ny fanaovana kasibosy sy ny fanasan-tanana amin'ny rano sy savony matetika ary ny fanajana ny elanelana iray metatra ary amin'ny fihinanana sakafo be otrikaina sy mafana tsara. Eto Madagasikara dia mbola betsaka ny any fotony no tsy misitraka ny soin de qualité noho ny fahalaviran'ny CSB amin'ny fokontany. Noho ny zany antony zany dia nametraka politique nationale de santé communautaire ny ministère izay niarahana tamin'ny programma mahefa miaraka nampandraisina andraikitra amin'ny fahasalamana ny fotony nametraka ny toby dia nametraka ny caisse de santé sy ny fitaterana vonjaina. Raha tonga zany ny fanentanana nataony mefa miaraka sy ny fanjakana dia nifidy olona anankiroa zahay mba ho fanina ho ase hitantana ny fahasalamana atao anatin'ny fokontaninay. Dia nomeny mahefa miaraka fiofanana zahay fandraisana tanana ny renim-bevoka fandraisana tanana zaza latsaka ny 5 taona dia ny fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana. Dia nangataka tamin'ny kommunina zahay hoe omeo toerana izahay mba hatao toby maharitra hiasany ireo ase ireo dia nanomeny ity toby ity. Dia ny fokon'olona mihitsy no nanao tsipaipay nanamboatra n'io rindrina kopaka io miaraka amin'ny vala manodidina.
fangirenaka lamanjana taonay nahavy anay narary sy ny zanakay no izany dia resy lahatra zahay tamin'ny fanentanana nataon'ny prestampokontany sy ny ase dia samy nampiasa ny akora rehetra izay nanagnany. Arety raha tsy mamotoana izay gn'agnarany avy izy ndre androany ndre hamaray ki tegna tsy manam-bola tegna mitsosa amin'olo misy mahazo misy tsy mahazo. Ka rehefa tonga ny mahefa miaraka nanentana anay mikasiky ny tahiry fahasalamana dia nanapa-kevitra izahay mpikambana dia zahay mandoa latsakemboko 500 zaho reniny dia ny zaza mandoa 200 atsasaky ny vola lany amin'ny fitsaboa alohan'ny fikambana dia atsasaky ny vola alohako. Agnisany mahafaty betsaka ny eny anivon'ny fiarahamonina any fotony ny fahatarana ny fitondrana olona marary na olona hiteraka zay a any amin'ny tobi-pahasalamana. Ka raha any amin'ny fokontany no misy an'le marary a dia efa napetraka ny sarety ambulansy any a bisikileta ambulansy a cyclopousy ambulansy fa raha ty andrenivohitra kosa izy na amin'ny toerana izay fandalovany reny fitateram-bahoaka toy ny bajaja taxi brosya i ministeran'ny transport miaraka amin'ny fiaramiasanjao mahefa miakaka nanome formation anay makasika ny fitaterana vonjyainy sy ve numéro anay anagnany olo agny zay olo aby agny mo misy marary dia mikaiky numéro mikaiky telefoninay ozy dia alainay le olo ka amin'izahay mangalaka na olo regny mametaky gilet dia manao kaskety priorité mandeha magnamin'ny hôpitaly dia vita ny anjekitsinay ampelatanany fitobi-pahasalamana le olona magary. Ka rehefa ny hita fa mihamaro ny olona mamonjy ny toby a dia hita fa mihatsara koa ny fahasalamany vahoaka any fotony amin'ny toeranareo. Tenena ny tapa-fatesany reny sy ny zaza ary faharoan'izay koa zany tena mazoto le olo a mamonjy an'ity toby ity raha fa misy ny fisalasalama. Zava-dehibe ho anay tokoa zany ny fandraisanay an-tagnana fahasalamanay tamin'ny alalan'ny fahavitanany tabinay manaraka amin'ny fenitra. Noho ny tahiry ara-pahasalamana io zany dia afaka mitondra ny zanako amin'ny hôpitaly aho dia laha ohatra zany hoe misy koa sagnatsiagny misy ny marary dia afaka mbo mandrahan'io avao. Le fiarahamonina koa tonga dia matoky tena koa mankasitraka ary midera dia ohatrany misy hoe manana poa kely zahay zany anolohanna zahoanay nyity raha ty eto amin'ny fiarahamonina. Chers participants à cette dissémination nationale, la parole est maintenant à nous tous pour la première séance de questions-réponses. Pour cette séance, nous disposons d'une dizaine de minutes. Nous allons répondre aux questions reçues lors des présentations dans la boîte questions-réponses. Et comme annoncé au début, nous étions priés de les poser au fur et à mesure dans la boîte questions-réponses ou encore dans le commentaire Facebook et chaque question sera traduite en anglais dans le chat. Pendant la séance questions-réponses, chaque panéliste est prié de garder sa caméra activée et être prêt à ouvrir le micro dès qu'il va prendre la parole. Le ou les panélistes concernés vont répondre aux questions. Il s'agit des représentants suivants. Pour l'USAID, le directeur du Bureau Santé, Population, Nutrition, Madame Bauer, et Dr. Razarson, qui est l'EOR de Maïfa Miarak. Pour DSI, the Associate Director, Mrs. Rossi. Pour Maïfa Miarak, ce sera le directeur, Dr. Ribeir, et le directeur adjoint,
Monsieur Mulligan. Pour le ministère de la Santé publique, Monsieur le directeur des soins de santé de base, Dr Ndiane Arsou, et Madame le directeur de la santé familiale, Dr Tidai. Je vais donc annoncer les questions posées dans la boîte et les adresser donc aux panélistes concernés. Pour commencer, nous avons une question adressée à l'équipe de l'USAID. Est-ce que Maïfam Yarak aura un autre projet après cette clôture? Nous invitons donc l'équipe de l'USAID à donner la réponse. Merci. La parole est à vous. Hi, good afternoon. I'm going to respond in English for everyone, hopefully to understand. Yes, there is a follow-on to the Mahifa Miyarka project, which is our USAID access project. And both projects have worked in close collaboration and will continue to do that to ensure that the important work that Mahifa Miyarka has been implementing with USAID support in Madagascar continues. And I know that both teams have been working very hard on a transition plan, working very closely with the government of Madagascar, in particular the Ministry of Health, to ensure that the support that has been given to the community health system will continue in the access project. That is definitely going to be a continuation of the work that Mahifa Miyarka has been implementing. Merci, Madame Brouwer, pour la réponse. La question suivante s'adresse à GSI. GSI a-t-il d'autres projets actuels ou futurs à Madagascar? Ici, c'est vous ici. Merci beaucoup, Dr. Niveau. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour cette question. GSI œuvre à Madagascar depuis plus que 30 ans en partenariat avec le ministère de la Santé publique, aussi avec d'autres ministères, avec le secteur privé et certainement avec les communautés, les pères éducateurs, les acteurs communautaires et les membres de chaque famille. Certainement, il y aura d'autres projets dans le futur, c'est ça qu'on ne connaît pas, le futur. Mais actuellement, nous faisons la mise en œuvre de deux autres projets à Madagascar. Un projet de financement USAID qui s'appelle Measure Malaria, ou bien Measure Paludism en français. Et ce projet est axé envers les systèmes d'information gestionnaire pour le paludisme ainsi que d'autres activités. Peut-être plus tard, USAID voulait décrire en détail ce projet s'il y a le temps. Et deuxièmement, nous faisons la mise en œuvre dans notre projet dénommé Access Collaborative en anglais, qui veut dire plus ou moins en français, augmenter l'accès aux contraceptives modernes. Ce projet, dont le bailleur de fonds est le Bill and Melinda Gates Foundation, travaille en partenariat, encore une fois, avec le ministère de la Santé publique et d'autres partenaires pour augmenter l'accès aux méthodes modernes de contraceptives à Madagascar, surtout le CNRS. Donc, notre partenariat à Madagascar continue et nous sommes prêts toujours à continuer de contribuer à la santé publique à Madagascar. Je vous remercie. Merci, Mrs. Rossi. La question suivante s'adresse à l'équipe de Mahifa Miyarka. Mahifa Miyarka a obtenu des résultats impressionnants en matière de planning familial et en santé maternelle et infantile. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pu atteindre ces résultats et brièvement? Merci.
Merci pour la question. En effet, les résultats sont impressionnants sur ce qu'on a accompli en matière de planification familiale et santé maternelle. Et cela est dû, je pense, à l'adoption ou à l'initiation d'approches innovatrices au niveau du programme et qui sont aussi complémentaires. Et en même temps, pour les CSB, d'avoir pu encadrer et puis suivre les agents communautaires, les former. Et ce qui a permis aussi et qui a incité surtout la communauté à les soutenir efficacement pour rendre donc disponibles ces services de proximité avec les agents communautaires. Merci. Merci à MyFamilia pour cette réponse. Et la dernière question pour cette série s'adresse au ministère de la Santé publique ou encore à l'USAID. Quelles sont donc les prochaines étapes en ce qui concerne la santé communautaire dans ces régions qui ont été supportées par MyFamilia ou encore ailleurs à Madagascar? Donc, la santé communautaire. Merci. Les directeurs du ministère de la Santé, encore. Oui, si vous permettez, j'enlève, je suis seul dans mon bureau. Hein. Comme ça, vous pouvez m'entendre clairement. Les prochaines étapes, comme nous le savons tous, nous avons la politique nationale de la santé communautaire. Et après la politique nationale de la santé communautaire, il y a aussi le plan stratégique, le document de plan stratégique de mise en œuvre de cette politique. Donc, on va continuer la mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire à travers ce plan stratégique dans les régions où le programme AFAMER a œuvré. Et comme nous le savons tous, il y a le programme ACCESS qui va continuer l'activité après MyFamilia. Et à cela, dans les autres régions également aussi, là où il n'y a pas l'appui de MyFamilia, et dans les prochaines étapes, nous sollicitons que l'après MyFamilia viendra aussi en très grande vitesse et en pleine forme pour œuvrer dans les autres régions qui n'a pas d'appui depuis. Je pense que mon ami Dr Sylvie va compléter la réponse en matière de les programmes tels que la PCME communautaire, la planification familiale, tout ça, que nous, comme on a vu et on a vient de suivre d'après les présentations et les vidéos, que avec le programme MyFamilia, on a des beaux et des résultats vraiment très satisfaisants. Merci. Merci, monsieur le directeur du DSSP. Quelques mots pour compléter madame le directeur de la santé familiale. Le micro, s'il vous plaît. Oui, juste quelques mots pour renforcer ce que dit monsieur le directeur des SSP tout à l'heure. C'est à peu près les mêmes activités et puis la continuité des activités en matière de PCIME, de planning familial communautaire, qui est vraiment, qu'on a vraiment constaté des résultats tangibles à travers le projet MyFamilia. Donc le ministère Santé va continuer dans ce sens actuellement avec DSI, Access Collaboratif, justement aussi. Nous sommes à la troisième phase de la mise à l'échelle, donc de l'auto-injection de CNAPRESS. Il s'agit de la phase communautaire, justement. Merci. Merci, madame le directeur.
Comme les 10 minutes sont écoulées, nous allons passer au programme suivant et nous remercions vivement tous les participants à cette première séance questions-réponses. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre atelier. Et d'abord, nous allons voir la contribution du programme Maïfa Miaraka dans l'engagement pour Madagascar Madiou 2023. Et pour cela, nous invitons Madame le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fouari Rakoutvelmanadzou, à intervenir. Madame le ministre, vous avez la parole. Madagascar est l'un des 8 pays dans le monde avec un taux où le taux de défécation à l'air libre a augmenté entre l'an 2000 et 2015. Et parmi ces 8, Madagascar est de loin le pays avec un taux de défécation à l'air libre plus élevé. Par contre, le taux a diminué légèrement de 43% en 2012 à 40% en 2018, selon toujours cette enquête. Un des exemples des régions allant vers le statut n'ayant plus de défécation à l'air libre sont les régions d'Analandzirouf et les régions d'Anjoui. L'engagement du pays pour la lutte contre la défécation à l'air libre se traduit par les objectifs pour améliorer la santé de la population, l'autonomisation des communautés pour améliorer sa santé et le développement du pays. En concert avec le développement durable au niveau mondial, Madagascar vise d'atteindre les objectifs du développement durable, le point 6.2, consacré à l'assainissement et à l'hygiène d'ici 2030. Et il traduit son engagement à travers l'initiative Émergence Madagascar qui se traduit à travers le VELRAN numéro 2. Les documents cadres et stratégiques, la feuille de route Madagascar Madiou, basée sur le plan Émergence Madagascar d'ici 2023, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a élaboré le programme Madagascar Madiou. Le premier volet de ce programme consiste à éradiquer totalement la pratique de la défécation à l'air libre qui touche environ 40% de la population malgache, variant avec 22% en milieu urbain et 85% en milieu rural. Cette feuille de route a été conçue de façon concertée et a été validée en octobre 2019. La feuille de route définit des cibles par région et par année, ainsi que les stratégies de mise en œuvre. Le processus organisationnel de mise en œuvre définit les rôles de chaque ministère, le cadre stratégique, l'harmonisation, la supervision, la vérification allant au statut de ODF ou qui n'effectue plus la défécation à l'air libre. Elle montre aussi la contribution des partenaires dans la mise en œuvre directe selon le financement des bailleurs, à l'exemple du programme Maïfa Miaraka. Le document cadre élaboré avec une approche inclusive avec toutes les parties prenantes définit toutes les approches et moyens de vérification, dont l'approche commune Minjka Salam, KMS, pour mobiliser la communauté et à arrêter ensemble la pratique de la défécation à l'air libre au niveau des chefs fuktan, des agents communautaires et le membre au niveau qui s'occupe de tout ce qui est développement sanitaire et les équipes des directions régionales de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène. Le renforcement des acteurs communautaires pour accompagner la communauté sur l'auto-construction de latrines et l'abandon ou transformation des zones de défécation auparavant dont on a pu voir certains succès pour les transformations de zones de défécation à l'air libre en lieu de repos, en lieu pour les plantations, mais surtout la base c'est que ces zones-là soient transformées et qu'il n'y ait plus de retour à la défécation
à l'air libre. On a constaté aussi des changements de comportement à travers l'approche ménage modèle et ménage parrain pour maintenir les pratiques familiales essentielles. J'ai eu l'occasion de visiter ces ménages modèles durant ma visite dans la commune de Mahamb, où le ménage est très engagé et a pu transformer sa vie en ayant aussi une latrine qu'ils ont construite eux-mêmes. En termes de résultats, dans les régions où le programme Efa Miarak intervient, telles que Analandirouf, Menabé, Diana, Sofia, Sava, Bouen et Melek, 943 villages ODF certifiés, on a 89 000 latrines qui ont été auto-construites par les ménages mêmes, dont 217 000 ménages en sont les bénéficiaires. Cela marque des résultats prometteurs dans l'atteinte des objectifs du programme Madagascar Madio. Les projets ou les programmes sont des déclencheurs pour appuyer dans l'atteinte des objectifs fixés par un pays tel que Madagascar. Un appel à maintenir les acquis actuels partout s'est lancé, que ce soit au niveau de la communauté, les leaders naturels, les autorités et les partenaires. La mission de Maefa Miarak et son financement se terminent, mais la communauté reste là. Le ministère de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène, à travers ses directions régionaux, reste sur place pour poursuivre le changement de comportement vital vers l'atteinte des objectifs finaux Madagascar Madio. J'adresse mes vifs remerciements au gouvernement américain à travers l'USAID pour le programme Maefa Miarak et ses partenaires de mise en œuvre pour l'appui à l'atteinte des objectifs de Madagascar à travers l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Un grand merci à toute l'équipe du programme Maefa Miarak et aux partenaires Msaucha. Ensemble, nous continuerons nos efforts et notre engagement pour atteindre les objectifs du programme Madagascar Madio. Nous remercions Madame le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène pour son intervention très intéressante. Maintenant, nous arrivons à l'intervention suivante qui va être faite par Madame le ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, Bavi Angelica Michel. Madame le ministre, nous avons l'honneur de vous inviter à prendre la parole. Comme la plupart des pays africains, il n'est plus à démontrer que le problème du mariage d'enfants constitue un grand fléau pour Madagascar. Selon le Mix 2018, si on ne se réfère qu'aux chiffres, 40% des enfants sont mariés avant l'âge de 18 ans et 13% avant 15 ans, soit 2 filles sur 5 se marient ou entrent en union conjugale avant l'âge de 18 ans. Le Grand Sud fait partie des zones les plus touchées par ce fléau. Le pourcentage des femmes et des hommes âgés de 20 à 49 ans qui ont été mariés avant l'âge de 18 ans est de 66% dans la région Atimandef, 55% dans la région Androu et 45% dans la région Anous. Toutefois, le Nord n'en est pas épargné pour autant. Si nous nous référons aux résultats de l'enquête nationale sur le suivi des indicateurs des objectifs du millénaire pour le développement réalisé à Madagascar en 2013, nous pourrons voir qu'il y avait 55,8% des enfants mariés dans la région Sofia, 44,7% dans la région Sava et 43,7% celle de Diana. Entre autres, face à cette situation, le gouvernement malgache a pris différentes mesures
et entrepris plusieurs actions depuis quelques années. Premièrement, le renforcement des cadres législatifs en matière de protection de l'enfant. Deuxièmement, l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le mariage d'enfants en 2018, ainsi que le plan opérationnel et multisectoriel pour sa mise en œuvre. Troisièmement, la mise en place des structures de coordination des actions à tous les niveaux. Suite à la situation du COVID en 2020, qui avait ralenti nos activités, émettre une appréciation est encore précoce. Mais par contre, nous souhaitons une éventuelle prolongation de ce projet. Et aussi, nous sollicitons les partenaires techniques et financiers à nous prêter main forte pour l'intérêt des enfants malgaches. Nous remercions Madame le ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme pour son intervention très pertinente. Maintenant, nous invitons Monsieur le directeur général au sein du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, Monsieur Pilaza Tsakourien-Tsaoun-Adolphe, à prendre la parole. Vous avez la parole, Monsieur le directeur. Pour la collaboration avec MaFamiar, je peux dire que les activités effectuées ensemble s'alignent bien avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le mariage d'enfants. Et si je ne parle par exemple que de l'organisation des dialogues communautaires qui étaient effectués au niveau des districts et communes, et cela afin d'élaborer des plans d'action à court terme pour déterminer les activités à mettre en œuvre par la communauté elle-même. Il y a aussi pour réaliser et évaluer les activités déjà planifiées. Et en troisième lieu, dans le cadre de ces dialogues communautaires, c'est pour mener à bien des initiatives pour la promotion de la lutte contre les mariages d'enfants. Et tout cela, donc, cadre bien avec l'objectif 1 de la stratégie. En second lieu, je peux parler aussi de la responsabilisation des jeunes par le renforcement de capacité de ce que nous appelons les jeunes pères éducateurs et leur orientation à la lutte contre les mariages d'enfants pour une meilleure communication, pour une confiance en soi et pour avoir des appuis auprès des parents d'abord et aussi des éventuels groupes de soutien pour leur permettre de finir leurs études, à requérir leurs droits, notamment l'accès à la santé reproductive et enfin à préparer efficacement leur entrée dans la vie active. Et cela cadre dans l'objectif 2 de la stratégie. Et enfin, pour ne citer que 3 principales activités, il y a donc la redynamisation de ce que nous appelons les réseaux de protection de l'enfant, qui sont des structures mises en place au niveau des districts et des communes pour avoir une meilleure coordination des actions, que ce soit en matière de prévention, en matière de signalement ou en matière de riposte, principalement par la prise en charge psychosociale, prise en charge médicale, et aussi la prise en charge judiciaire. Et tout cela aussi dans le cadre, dans les objectifs 1, 3 et 4 de cette stratégie. Nous remercions M. le directeur général de la Population pour sa prise de parole. Le programme MaFamiaraka a particulièrement investi dans la jeunesse malgache, comme il est reporté dans la vidéo suivante qui s'intitule « Bâtir un avenir meilleur pour les jeunes ».
fanambadiana loloatra sy ny voaka loloatra dia betsaka noho ny antony a fahatrana dia mampirisika ny ray aman-dreny a amin'ny azanany a hanambady raha misy tovolahy manamanam-bola. Laha tamin'ny klasy de sixième misy mpianatsy bevoka de mialandahara tsy mianatsy, tsy misy le fialam-boly tsy ampy. Ny raha ny asa zany ny ministeram-ponina sy ny tetika asa sy OFM ny programme USAID mahefa miaraka io mba hahafahana zany a mampahomby kokoa zany a ny vokatra azo a amin'ny ady amin'ny fampanambadiana aloha loatra. Taorianany fiofanana ny azonay a dia namora ny vahoaka izahay. Ny fiarahamonina no nasainay mitady vaaolana mikasika n'izy zavatra mora tao ho tanterahina. De ny asanay sesea de mpanaramaso a sy manetsika ny fokon'olona hanatanterahana ny asa. Akoatran'izay ny asanay sese na mpanetsika dia manao viade na mitsidika isatokantrano ny ray aman-dreny hitady vaaolana mahakasika ny fanambadiana loloatra sy ny voka loloatra. Ny vokatsoany hitanay a ny ankizy lasa miroana any amin'ny resaka fambolena ary niroana tany amin'ny sport. Formation zany de lasa mahaina andro sady lasa tsy varivariana amin'ny zavatra hafa fa miompana kokoa amin'izay hetrehnany ho avy izay. De ny zavatra nataonay formation tany dia nanamboatra gâteau, sambosa, crème, paka pigeon, de confiture baobab sy confiture papay. Faniriako aminazy zany mba hoentiko hananganana fiompiana mba hampiroborobohako an'le vola sady ampitomboako anazy koa. Tiako raha mba hoe hitantaratra eny fiarahamonina misy ahy zany aho amin'izay fiompiana ataoko izay. Napetraka teny anivon'ny fiamaramonina zany ny mpanabe olontsahala tany anivon'ny sekoly sy ny fiarahamonina. Nisy ny fampafantarana nataon'ny zareo avy agny mahefa miaraka tady mpianatra ampiofanina isany nanolo tena tamin'io zavatra io aho. Tao anatin'izay zany a nampahafantarany ry zareo anay ny makasika ny fahaiza-mianadiny. Vita ny fiofananay nampiofa zahay dia tagnatin'ireo olo nampiofaninay ireo nanendry tanora manahaka anay avao koa zahay gnatao hoe JP Emergent. Ireo JP Emergent ireo a no mampita agny amin'ny fiarahamonina misy azy agny. Ireo koa tsy nitere fa antsitrapo dia hitanay a fanotondra zava-tsoa teo amin'ny fiainanay andavanandro a ny afatra. Tokony manana tanjona zany anao eo amin'ny fiainana, ohatra hoe mba hiasa anao anarinany anana tokantrano dia ianao koa no mampianatra ny manodidina anao. Mihena ny tanora mitondra voka lohampitoa, mihena avao koa ny mpianatsy mialandahara amin'ny fianara ohatra moa tsy misy mibevoka lohampitoa. Ho an'ireo izay nahazo fiofanana sy nahazo fitaovana dia hita zany a fa ny anivoatra ny fiainany ary amin'ny ankapobeny tena nahatsangana fikambanana zany izy ireo. Napetraka teny anivon'ny fiamaramonina zany ny tambazotra hiarovana ny ankizy na ny réseau de protection de l'enfant. Ny mahefa miaraka zany no tapitra fa ny ministeram-ponina dia ho foana zany avonina hanatanteraka ny asa izay efa niarahana nanao.
Chers participants, nous arrivons maintenant à la deuxième série de questions-réponses. Nous disposons aussi d'une dizaine de minutes et comme auparavant, nos questions ont été recueillies donc dans la boîte questions-réponses ou bien dans le commentaire Facebook. Chaque question sera toujours attribuée aux panélistes concernés et nous rappelons toujours que pendant cette séance, chaque panéliste est prié de garder sa caméra activée et être prêt à ouvrir le micro dès qu'il va prendre la parole. Les panélistes pour cette deuxième séance sont les représentants suivants. Pour l'USAID, ce sera le directeur du Bureau Santé Population Nutrition, Madame Brewer et Dr. Razarson. Pour GSI, the Associate Director, Madame Roussi. Pour MyFamiarca, le directeur Dr. Ribahir et le directeur adjoint, Monsieur Hooligan. Pour le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, c'est le directeur général technique, Monsieur Ratournien. Et pour le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, c'est le directeur général de la Population, Monsieur Pilaza. La première question, donc parvenue dans la boîte questions-réponses, s'adresse à Maïfa Miarek. Donc, le participant demande plus d'explications sur l'objectif, le contenu, le processus de mise en œuvre, ainsi que le résultat de la caisse santé. Est-ce que ce programme a été mis en place dans tous les districts appuyés par Maïfa Miarek? Merci. Par rapport donc à la caisse santé, nous avons en fait voulu accompagner les communautés à prendre en main leur propre santé, donc en finançant eux-mêmes les soins de santé. Et cela, on s'est basé sur des groupes d'épargne et de crédit qui étaient déjà existants et on les a sensibilisés pour constituer donc les caisses santé, étant donné que les mutuelles de santé ne marchaient pas partout. Et quand ils étaient d'accord, si c'était approprié à leur niveau, à leurs besoins, donc on les a accompagnés et les formés pour constituer ces caisses santé. Et à ce jour, donc, nous avons implanté l'approche dans les régions Sava, Diana, Sofia et Menabe, où les groupes et les partenaires qui pouvaient collaborer ensemble, donc, était prêt à adopter cette approche innovante. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Merci, Madame le Directeur. La question suivante s'adresse au ministère et c'est en anglais. Nous vous prions de regarder dans le chat pour la traduction. What was the most surprising experience or finding from this collaboration? Donc, nous invitons les représentants des ministères à nous partager donc les bonnes pratiques, ce qui a été très saillant par rapport aux expériences partagées par Maïfamiarek. Ministère de la Santé ou bien ministère de la Population? Oui, pour le ministère de la Santé, parmi tant d'autres, une des bonnes pratiques qu'on a eues en collaboration avec MyFamiarek, c'est dans la mise en place de tous les responsables communautaires à tous les niveaux de structure, que ce soit au niveau de structure COSAN, de structure au niveau communal, de structure au niveau district et même de structure au niveau régional et au niveau national. Parce que on a bien constaté que dans toutes les régions, là où il y a l'intervention de MyFamiarek, la mise en œuvre des structures pour les activités communautaires sont vraiment très constatées au niveau de ces régions et districts et communes-là. Là, c'est un. Deuxièmement,
C'est sûr que mon amie, Madame le DSFA, va m'appuyer là-dessus, mais une des pratiques qui mérite d'être signalée avec Maïfa Miara dans la mise en œuvre de la PCME communautaire, à part l'appui pour les intrants et tout ça, mais une des pratiques que j'ai constatée moi-même avec Maïfa Miaraka, la mise en œuvre des suivis formatifs des agents communautaires, là, avec le programme Maïfa Miaraka, comme avec l'autre, avec l'Access également, qui est en cours également aussi. On a mis les points sur l'importance des suivis formatifs, c'est-à-dire les encadreurs, les formateurs vont voir les assiettes là où ils sont, là où ils travaillent, comment ils travaillent, quels sont leurs problèmes là. Ce sont des bonnes pratiques qui méritent d'être signalées en collaboration avec Maïfa Miaraka. Merci. Merci, monsieur le directeur. Et à propos du ministère de la Population, est-ce que monsieur le directeur général voudrait aussi partager par rapport donc aux expériences que Maïfa Miaraka a faites en collaboration avec votre ministère? Oui, merci, docteur Nibou, de m'avoir donné la parole. Comme expérience que nous avons vécue donc avec le projet Maïfa Miaraka, je peux dire que ça nous a permis, comme nous le savons, donc, hein, l'expérience avec Maïfa Miaraka, la collaboration n'a pas encore duré trop longtemps. Ça avait débuté vers la fin de 2019 et 2020. Or, il y a eu donc cette pandémie et qui perdure jusqu'à maintenant. Mais toujours est-il qu'il y a eu l'expérience qu'on a vécue nous a permis de concrétiser le processus qu'on a élaboré au sein de la stratégie nationale de lutte contre le mariage d'enfants. Il y a par exemple les formateurs au niveau central ainsi que les formateurs au niveau des régions. Et avec Maïfa Miaraka, on a pu effectuer des renforcements de capacités par des formations de formateurs et ainsi de suite. Et il y a aussi, avec la collaboration, le renforcement de capacités des membres de ce que nous appelons les réseaux de protection de l'enfant, qui sont des structures qui sont mises en place et au niveau des districts et au niveau des communes, par tous les acteurs, tant publics que privés, qui œuvrent dans le domaine de la protection de l'enfant. Et ces membres ont été donc formés pour pouvoir agir dans cette lutte contre le mariage d'enfants. Je pense que ça nous a permis donc de mieux d'apprécier ce que nous allons développer à l'avenir. Voilà ce que je peux dire. Et oui, et il y a aussi surtout ce que nous avons développé avec Maïfa Miaraka, c'est l'organisation de ce que nous appelons les dialogues communautaires. Avec Maïfa Miaraka, qui a cette étape, mais je ne vais pas m'étaler dans cette étape, mais seulement c'est pour nous dire qu'il y a des échanges, les mobilisations communautaires, l'élaboration des plans d'action communautaire qui ont été donc réalisés par les communautés eux-mêmes. Ça a été développé avec Maïfa Miaraka et nous comptons encore les poursuivre après cette clôture. Merci. Merci, monsieur le directeur général.
Nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous le directeur général du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Et par rapport donc à la pérennisation des activités que Maïfamiarka a entrepris, a soutenu dans nos régions, est-ce que vous pouvez nous partager donc quelle est la stratégie de pérennisation des acquis très impressionnants que Maïfamiarka nous a laissés? Autre donc que l'intervention de l'USAID Access, c'est surtout donc la pérennisation des acquis. La question, Monsieur le Directeur Général. Et je pense que il y a des problèmes de connexion donc du côté du ministère de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène. Et oui. Vous m'entendez? Voilà. Oui, monsieur le directeur. Voilà. Excusez-moi tout à l'heure. Ça... Donc, merci beaucoup, docteur Bib, de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous, bonsoir à tout le monde. Par rapport à la question, avant de répondre à la question, j'aimerais bien partager aussi la bonne pratique par rapport à la collaboration avec le ministère, avec le Maïfamiarka. Donc, ça fait partie de la bonne pratique, c'est que c'est la mise en œuvre des activités CLTS ou dans le cadre du changement du comportement à travers de l'hygiène et de l'assainissement aussi. Donc, ça a été bien de collaborer avec nos directions régionaux, les 22 régions, et rendre aussi les essais existants dans les régions concernées. Ça a été la bonne pratique. Et la bonne pratique aussi, c'est ce qui est dit tout à l'heure dans la présentation de Madame la ministre. Il y en a beaucoup des latrines qui ont été construites eux-mêmes par la population à travers une sensibilisation qui a été effectuée par nos agents communautaires. Donc, tout cela, ça a déjà montré des résultats positifs par rapport à ce qu'on a fixé le ministère afin d'atteindre l'objectif pour le PEM aussi. Donc, par rapport à tout cela, nous remercions déjà les actions qui ont été menées avec les équipes du Maïfamiarka. Et je pense que par rapport à la question tout à l'heure, quelles sont les stratégies que, par rapport aux résultats qui ont été faits par le Maïfamiarka, le ministère, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les régions, il y a les directions régionaux, et il y a aussi les personnels qui ont été formés par les Maïfamiarka. Donc, il y a aussi les responsables sur terrain qui ont été formés par les Maïfamiarka. Donc, nos directions régionaux sont toujours présents sur terrain pour assurer la pérennisation, notamment de faire la descente au niveau des autorités locales aussi pour assurer que les résultats sont toujours maintenus. Donc, je pense que suite à l'arrivée du programme Access, donc ça a été déjà fait la forme de passation et aussi les actions menées par notre direction régionale. Donc, merci, merci beaucoup. Nous vous remercions, Monsieur le Directeur Général, pour votre intervention. Les 10 minutes étant écoulées, nous remercions tous les participants et tous les panélistes donc pour cette séance questions-réponses qui est la dernière pour cette visioconférence. Et sans plus tarder, nous allons entamer la suite du programme. Good afternoon. I am Joel Lamstein. I'm the president of JSI. And JSI is proud to have worked in Madagascar since 1989 in both public and private sector public health work. And on a personal note, I was honored to be able to visit Madagascar a number of years ago and hope to come back soon.
We've been working closely with the government of Madagascar at several levels, including national, regional, district, commune, and local levels. And those levels have been essential to our work. In the past decade, as you know, extraordinary improvements have been made in maternal and child health and family planning. And all of that has been achieved in conjunction with the Ministry in Madagascar. And JSI is proud to have contributed to the MAHEFA program, the Community Capacity for Health program. I want to thank the ministry, USAID, the MOH staff, and all the community health volunteers and community members in remote areas that work with us to improve health. Our continuing work in Madagascar through USAID funded and non-funded programs continues to tie JSI and our colleagues and friends to Madagascar. It's been a great honor to work with you. We look forward to continuing to do that work and your continued success. Nous remercions Monsieur le Président de JSA pour son important message. L'intervention qui va achever cette série sera faite par Madame le Directeur du Bureau Santé, Population, Nutrition de l'USAID, Sophia Brewer. Madame le Directeur, nous vous invitons à prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Madame la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Madame la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, chers partenaires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, j'aimerais féliciter l'équipe de JSI MAHEFA Majorca pour les réalisations qu'elle a obtenues pendant les 5 ans de mise en œuvre du projet. Votre engagement et vos efforts ont été remarquables. C'est un honneur de travailler avec vous. Nous sommes fiers de voir pour contribuer à ces réalisations et à leur impact sur la santé de la population malgache. Certes, les activités de MAHEFA Majorca se terminent dans les zones d'intervention, mais il est évident qu'il reste beaucoup à faire dans le domaine de la santé publique pour que la population puisse participer au développement du pays. Nous aimerons souligner ici l'engagement continu de l'USAID à appuyer le système de santé malgache et à contribuer efficacement aux efforts de réduction de la mortalité maternelle et infantile et à faire reculer le paludisme. C'est à travers le projet ACCESS que l'USAID va poursuivre sa contribution à la mise en œuvre de la politique et des stratégies nationales de la santé communautaire et à la fourniture des services de santé communautaire de qualité dans toutes les communes des régions qui ont bénéficié du soutien de MAHEFA Majorca. De plus, l'appui de l'USAID à travers le projet ACCESS se fait au niveau des districts sanitaires pour assurer un continuum de soins de santé de qualité plus élargi. Les centres de santé de base et les centres hospitaliers du district recevront ainsi un appui en termes de gouvernance et de renforcement des compétences techniques. Nous tenons à rassurer le ministre de la Santé publique que l'USAID poursuivra avec lui, tel que Pirahalahi Mianala. La collaboration en cours pour atteindre nos objectifs communs de santé que nous nous sommes fixés. Permettez-moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de terminer en réitérant à toutes et à tous mes vifs remerciements au ministère, aux FOCTAN, aux agents communautaires, aux associations des femmes et des jeunes, ainsi qu'aux partenaires pour l'organisation réussie de cette conférence de dissémination du programme MAHEFA Majorca, qui, je l'espère, inspirera l'avenir et nous permettra de consolider ces stratégies et approches. Nous vous encourageons à continuer d'être un modèle à Madagascar et dans le monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Thank you.
Merci beaucoup, Madame le Directeur, pour avoir souligné la volonté de l'USAID à continuer ses appuis en faveur de la santé communautaire à Madagascar. Nous voici maintenant au terme de cette conférence. Aussi, nous invitons Madame le Directeur de MyFamilyar, Dr Yvette Ribahir, pour adresser ces mots de remerciement. Madame le Directeur, à vous la parole. Merci, Dr Niv. Le programme Community Capacity for Health, comme vous l'avez apprécié, a particulièrement collaboré avec 3 ministères. Au fin de renforcer les capacités des structures communautaires et découlant, le soutien communautaire effectif pour de meilleures santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, utilisation de la planification familiale, nutrition, accès à l'assainissement de base, ainsi qu'à des progrès pour la réduction du paludisme et des mariages d'enfants. Le programme a adopté des approches novatrices et dont les résultats parlent d'eux-mêmes. GSI voudrait de ce fait saisir encore une fois cette occasion pour remercier chaleureusement tout le staff, les milliers, voire les dizaines de milliers de membres des communautés et familles qui ont contribué à cette réussite durant ces 5 dernières années. Au cours des semaines à venir, nous allons partager les supports techniques et les liens pour l'accès aux vidéos que nous avons présentées ce jour. Nous espérons qu'ils vous seront utiles pour vos interventions futures en faveur de la santé communautaire et ainsi concourir à l'atteinte de la couverture santé universelle à Madagascar. Nous voilà donc au terme de notre conférence et nous vous remercions tous de votre participation. Au revoir. The Community Capacity for Health Program partnered deeply with 3 ministries to reinforce and improve community structures and skills, resulting in community support for improved maternal, reproductive, newborn, child and adolescent health, malaria, family planning, nutrition, basic sanitation and hygiene, and increased efforts to end child marriage. The program used several innovative approaches, and the impressive results speak for themselves. GSI takes this opportunity to again thank the thousands, actually tens of thousands of staff, community members, and families that worked with us during the past 5 years. Over the coming weeks, we'll be sharing technical summaries and links to the videos you enjoyed with us today. And we hope these will enable continued work in community health and contribute to achieving universal health coverage in Madagascar. We have arrived at the end of the USAID MyFamilyar's final dissemination conference. And we would like to thank you all for your participation. Have a nice day, afternoon, evening. Oh yeah, yeah.